des choses incroyables. Let's go. Let's go, re tout le monde, allez, c'est parti. Nous sommes de retour, parce qu'il y a beaucoup de jeux, donc il fallait setup beaucoup de choses. Ah, le micro est éteint, hein, mon cher MV, nous ne t'entendons pas. Enfin, je crois, hein, il me semble. Voilà, c'est pas grave, on va rester zen. Donc, oui, je vais... Non, tu veux? On t'entend? Oui, ça doit être bon normalement. Je t'en prie. Donc tu disais, oui. Oui, je disais, désolé pour la petite tempo, vu qu'il y a beaucoup de jeux à venir, il y avait également plusieurs choses à vérifier et à régler. Mais c'est bon. Petits réglages, mais tout est bon. On part sur un créneau Dotemu, mon cher MV, avec exactement. Quelques productions. Comme chaque année. Alors, on va commencer par la plus difficile d'entre elles. Ça va être merveilleux. Peut-être qu'on va pouvoir les accueillir directement. Donc, on est sur The Last Spell pour cette fois-ci. Est-ce que tu veux qu'on fasse... Vous découvrirez le planning de votre côté, la traduction a déjà été faite. On est donc en compagnie de Benjamin Coquel, qui est producteur game designer sur le jeu, et aussi Maxence Delacroix, qui lui est lead programmeur. Bonjour à vous, vous nous entendez bien ? Ouais. Salut. Super. Nickel. Ok, impeccable. Donc, on va pouvoir jouer à The Last Spell, un jeu qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer dans le Made in France. Tout à fait, oui. On l'a vu, j'y étais à l'époque, depuis sorti. Oui, il y a 2 ans. tout premier. Ouais, qui a depuis eu un Early Access et puis aussi énormément de mises à jour. Alors, j'ai cru noter 6 mises à jour majeures, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je suis plus sûr, mais je crois. Il me semble que c'était ça. Et puis, après beaucoup d'ajustements et tout ça que vous avez fait. Donc, le jeu a quand même énormément évolué au fil du temps. On va pouvoir en parler. Vous allez pouvoir en parler. Et écoutez, peut-être que je peux vous laisser éventuellement présenter en 2 secondes le projet juste avant qu'on le lance pour les gens qui ne le connaîtraient pas déjà. Qu'on se fasse malmener. Je repousse l'échéance. Du coup, The Last Spell, c'est un tactical RPG avec des éléments de roguelite. Donc, le but, en fait, ça va être de défendre une ville. Il y a des mages au centre qui vont faire un sort. Et ce sort, en fait, il prend plusieurs jours. Et le but, ça va être de les protéger pendant ces plusieurs jours. Ouais. Et bien évidemment, il y aura des ennemis qui vont tenter d'empêcher ce sort. Donc, à chaque nuit, en fait, il y a une brume qui vient sur la carte. Et du coup, les ennemis sortent de cette brume. Et le but, ça va être de défendre les mages pendant la nuit et le jour, fortifier sa ville pour que ce soit plus facile pour les autres nuits et aussi faire évoluer ses héros. Donc voilà. Ok, ça marche. Alors c'est un jeu, je le dis. Voilà, on va casser l'œuf tout de suite, ça au moins c'est réglé. Les excuses de sac. Voilà, c'est ça. Je lance dessus le truc. Qui est quand même assez difficile, mais néanmoins juste, et ça c'est important de le dire. Mais effectivement, c'est aussi un jeu dans lequel on va apprendre, finalement, en échouant petit à petit, apprendre ça par l'échec, avec du coup les différentes nuits à passer, avec tout ce qu'on va pouvoir aussi choper, donc d'apprentissage sur le fait de mieux gérer justement toute la partie gestion, combat, tout ça. Grosse dimension tactical, évidemment. Bref, tout ça pour dire, si je me fais laver, j'en suis désolé, mais n'hésitez pas à donner des conseils, évidemment, sur ce qui va se passer, bien, puisque là, nous avons une save qui démarre jour 4, et j'aimerais ne pas la planter en... Minute 1, voilà, pour que les choses soient dites. Donc on va lancer tout de suite. Ouais, justement, on a fait en sorte, on a pris une sauvegarde 100%, on a préparé des petits héros aux petits oignons, donc normalement ça devrait le faire. Ok, ça marche. Alors est-ce que peut-être vous voulez un petit peu présenter le gameplay, comme ça je serai votre souris sur le départ et après on attaquera le combat pour avec plus de liberté. Ouais. Peut-être Maxence, tu veux... Ouais, si vous voulez présenter aussi un petit peu les éléments d'interface, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, après je ferai le décalage. Oui. Oh, la petite team, j'avais pas vu, c'est merveilleux. Oh là là, non mais ça c'est parfait, ça c'est très... Déjà, je suis plus en confiance. Très bien. Alors, c'est la surprise, Ouais, donc là on est dans la phase de production, donc en fait en journée il y a 2 phases, il y a la phase de production et de déploiement. Ouais. En production, c'est là où on va construire nos bâtiments, fortifier nos défenses, etc. Donc là on voit en haut à gauche qu'on a... 3-0 gold et qu'on a un peu de matériaux. Oui. Et qu'en fait, ça va nous permettre de construire de nouveaux murs. Là, il y a le flanc, par exemple, tout au nord, en gros, qui est très libéré, très ouvert. Donc, c'est une bonne idée de renforcer ça, quoi. Oui. Surtout qu'on voit qu'il y a des grosses flèches violettes qui indiquent, l'arrivée de la vague d'ennemis. Oui. Ensuite, en haut à droite, on a notre liste d'héros. Et tout à droite, on a la liste, en fait, des ennemis qui sont attendus cette nuit. Et ensuite, en bas à gauche, on a l'interface classique où on a, si on a un bâtiment de sélectionné, on a les actions, etc. Ouais. Et si on a un héros de sélectionné, on a ses skills, son équipement. Ouais. À gauche, là, on a donc le journal du commandant qui, en fait, contient un peu tout ce qu'on a à faire aujourd'hui. Donc, on voit qu'on a assez de matériaux pour construire des murs, on peut recruter de nouveaux héros, on peut acheter de nouvelles pièces d'équipement, etc. Okay. Là, on a 0 gold, on ne peut pas vraiment acheter quoi que ce soit de nouveau.
Très bien. Et alors, tu peux ouvrir le menu, ouais, voilà. Oui, ça va, il y a les, deux. Ok, ouais. Ça marche. Alors, je commence par la construction de mur. Donc, côté mur, on voit tout ce qu'on a ici en bas de l'écran. Vous me conseillez de partir sur quoi? Un petit mur en pierre, un petit mur en bois? Bah, les murs en pierre, ça coûte cher. Donc, en fait, ouais. Le mur en bois, l'avantage, c'est que tu auras la ligne de vue. Donc, c'est-à-dire que tu peux mettre tes archers derrière et tirer à travers ces murs en bois. Ouais. Mais par contre, ils sont fragiles. Ouais. Alors que le mur en pierre, il est solide. Par contre, il coûte cher, mais il va résister à beaucoup de coups. Donc. Est-ce que vous me conseillez peut-être de mettre des... Ouais, je les mets comme ça du coup là, simplement, basiquement, vous voulez que je... Vous me dites, hein, c'est... Ouais, je pense que tu fais un peu ce que tu veux, comme tu le sens. Ouais, fais des... Voilà, exactement, tu peux lui dessiner le contour de ta ville. Ouais. Donc là, par exemple, à droite, ici, continuer, voilà, ici, le flanc. Une porte est-elle à prévoir? Oui, tu peux mettre une porte, ouais. Alors, on va retourner tranquillement, hein, je... Tu peux faire clic droit, si tu veux, pour annuler, ouais. Hop, ouais. Et là, tu reviens. C'est bon, c'est fait. La petite porte. Alors ensuite, on va partir sur le mur en bois. Alors évidemment, premier constat, mais je pense que c'était assez évident, pixel art de ouf, Gueudin. Je pense que, sans exagération, vous faites partie de mes pixel art préférés ever. Vraiment, c'est assez balèze. Ah merde ! Ah, c'est pas grave, j'ai pas vu le... C'est l'accident, mais ouais. Ah oui, de toute façon, c'est le dernier. C'est pas grave. On va se débrouiller, c'est pas... Ah oui, mais du coup, je pourrais pas construire autre chose, bon, c'est pas très grave. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de l'économie du jeu? Parce que je sais que, pour avoir regardé un peu justement ce qui pouvait se raconter, ce qui pouvait se montrer en termes de guide et tout ça, l'économie, elle a une part très importante du gameplay. Ouais. Vous voulez en parler vite fait un petit peu de comment vous fonctionnez au niveau de ce qu'on gagne quand on fait un combat, comment est-ce qu'on va être noté, etc. Est-ce qu'il va amener ou non à des facilités, ou non d'ailleurs? Donc en fait, ouais, l'économie, c'est divisé en deux parties. Donc il y a ce qu'on va recevoir en fin de la nuit. Ouais. En fait, si on arrive à bien défendre sa ville, on va avoir une récompense plus importante que s'il y a trop d'ennemis. Donc en fait, on a une notion de panique. Oui. En gros, c'est s'il y a des ennemis qui rentrent dans la ville, qui passent leur tour dans la ville, qui vont détruire des bâtiments, on va générer de la panique. Oui. Et en fonction du niveau de panique, on va avoir plus ou moins d'or à la fin. Donc du coup, on récompense comment le joueur a joué la nuit sur ça. Ouais. Puis après, du coup, il y a aussi les récompenses générées par les bâtiments. Donc, on voit ici dans la ville, il y a déjà une petite mine d'or qui est construite et aussi un petit camp pour récolter des matériaux. Donc voilà, ces bâtiments vont être très importants. Il va falloir aussi bien les protéger parce que bah, sinon, c'est un peu la galère. Donc voilà, donc le joueur, si... Ouais, non, on t'écoute, excuse-moi. Oui, donc du coup, ouais, donc voilà, il y a les bâtiments, et puis il y a aussi une économie autour des objets, parce qu'en fait, les héros, va falloir les équiper. Ouais. Et aussi, bah, si on arrive à bien gérer et à produire plus d'objets qu'on en a besoin, on peut aussi les revendre au magasin. D'ailleurs, si tu veux, tu peux ouvrir le magasin dans le journal du commandant, dans la liste tout en haut. Ouais. Qui est en haut, qui est ordinaire. Ouais, voilà, là, ici, tu as acheté de nouvelles pièces d'équipement, donc... Ouais. Donc voilà, donc ici par exemple, tu as toute une liste d'objets qui se renouvellent tous les jours. Et puis voilà, moi du coup, tu n'as plus d'argent, mais voilà. Ouais. Et aussi, donc là, ça me permet d'introduire une notion de rareté qu'on a sur les items. Donc on s'est inspiré forcément des Diablo-like. Oui. Avec en fait des attributs, des stats qui vont être générés aléatoirement en fonction de la rareté de l'objet. Donc ça permet de rajouter un petit peu d'aléatoire dans les récompenses. Très bien. Bon. Vous voulez qu'on lance le combat directement, comme ça on fait la nuit? Bah écoute, ouais. Alors du coup, avant, positionne bien tes héros. Oui. Donc là, t'en as 4. Il y a deux côtés. Donc, essaye de les répartir. Ah, d'accord, que je les place derrière les portes. Hein. Enfin, du moins pour peux, le. Alors, ah, c'est toi, tu es archer. Moi, ce que je te conseille, Attends. Regarde bien, hein, parce que là, dame, elle a le gros espadon. Là. Oui, non, j'ai vu que j'étais archer, ça y est, pas de soucis, je reste derrière lui. Mais c'était juste, on est d'accord qu'ils viennent des deux côtés, c'est-à-dire ici et ici. Hein. Oui, oui. Exactement. Et on est 4 pour lutter contre... Je te conseille de mettre les gens au corps à corps en dehors en fait, de la ville, parce qu'eux, ils ont beaucoup de résistance, donc ils sont plutôt safe. Ouais. Et ouais, l'archer, tu peux le mettre derrière ton mur, comme ça, il sera... Allez, la team, je serai avec Dame, du coup. Et on aura Trinity à la hache. Incroyable. Hache. Et enfin, par contre, on est d'accord que je veux cette build. Oh, t'es trop classe! T'as vu ça? Comme tu démontes! Oh la vache, il est merveilleux! Oh la maîtrise aussi, hein, ceci dit. Alors attends, parce que, par contre, je fais des bêtises. Voilà. Ah, je suis Mago, let's go! Ah, Mago, du coup, plutôt distance? Ouais. Celui-là, il est plutôt corps à corps. Donc là, Et après aussi, la particularité, c'est qu'il y a deux sets d'armes. Donc là, ici, tu peux voir en bas, t'as le petit sélecteur de sets. Ou alors tu peux faire tab sur ton clavier. À droite de 6. En fait, à côté de tes compétences. Ce qui bouge, fais tab. Tu vois. Si tu fais tab, tu vas le voir bouger. Regarde.
Attends, je... Ah oui, d'accord, là, pardon, excusez-moi. Voilà. Oui, très bien. Oui. Oui, l'interface est un peu complexe à prendre en main, forcément. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai pas tout en tête. C'est, nous sommes sur les créneaux qui commencent à arriver tard pour moi. Dis-moi, dis-moi tout. Donc voilà, bah là, du coup, tu peux faire fin de tour. Et... ouais, très et bien. Débalancer. Alors, du coup, en fin de tour, tu m'as dit que c'était fin de la phase. Hein. Ici même, et ouais, ouais et ça ouais. va. La Sainte-Wave va commencer. Et les donc là, normalement, cette phase, elle... là, cette phase, elle sert à positionner tes héros, mais on l'a déjà fait, donc oui. C'est juste une double confirmation pour dire c'est bon. Et là, c'est là que ça va commencer à être violent. Alors, il y a un truc que vous avez très fort dans votre GD, si je dis pas de bêtises, c'est justement ce côté sous la horde, on est peu, mais on arrive à les buter quand même, et donc trouver des solutions alors qu'on a peu d'effectifs pour résoudre des situations très complexes, c'est ça hein. Ouais. Et. Par exemple, il y a aussi un truc qu'on n'a pas abordé pour l'instant, mais qui est important au niveau gameplay. En fait, au-dessus de tes compétences, tu vois, tu as des petites icônes d'énergie. Qui sont, où tu as un crâne avec une icône de flamme bleue et ensuite une armure avec des pics, etc. Oui. C'est juste au-dessus de ton changement d'arme. Ouais. Et en fait, ça, c'est les perks qui sont activés sur ton héros. Non, juste au-dessus encore. Ouais, voilà, exactement. Pardon, ouais. Et en fait, ça, c'est des éléments que tu débloques avec tes montées de niveau. Oui. Et en fait, ça influe directement donc, sur le gameplay actif, quoi. Ouais. Et par exemple, je sais que t'as deux ou trois persos qui ont une perk qui s'appelle Loup Solitaire. Et en fait, c'est une perk qui permet d'être meilleur quand t'es tout seul, donc quand t'es loin de tes héros. Et quand tu... voilà. Donc là, tu as les perks qui sont grisées, donc en fait, elles sont pas actives. Et quand tu la survoles, tu vois une zone qui définit un peu... bah en fait les bonus qu'elle peut recevoir d'accord et okay, tous les on a beaucoup de tout types dans le jeu donc elle devient surpuissante si elle va toute seule dans la mêlée quoi donc sachant qu'après le format tactique fait que on a donc effectivement tout un tas de codes qui collent au enfin qui collent au genre pardon notamment bah, toute la partie dégâts machin déplacement enfin des choses qui vont nous concerner ici je pars en roue libre ou vous voulez un warning absolu genre oui, non ne fais pas tu ça peux, tu... non non vas-y t'inquiète. Ok, très bien. Et même d'ailleurs, c'est vrai, on va te laisser faire le tour, mais aussi on pourra faire un tour dans la character sheet pour justement regarder ces plaques. Mais vas-y, joue ton tour, fais comme tu le sens. Ouais, bah, ça, je le ferai sans doute très mal, mais au moins voilà, ça permettra de fluidifier un petit peu les choses pour les gens mais qui veulent voir du gameplay. Bah, pendant que tu joues, je peux expliquer par exemple les différents types d'armes qu'il y a. Donc là, par exemple, MV en fait, est actuellement équipé d'un sceptre magique. La particularité, en fait, c'est que lui, ça va être l'arme corps à corps magique, et en fait, elle va baser sur les mouvements. Donc, plus tu vas faire de mouvements avant ton attaque, et plus elle va faire de dégâts. Donc, c'est ce qu'on appelle le momentum. Bon, il n'y a pas toutes les attaques de cette arme qui sont comme ça, mais voilà, c'est aussi le principe. Et justement, là, le skill que tu as sélectionné, le deuxième, en fait, c'est un skill qui permet de régénérer tes mouvements. Comme ça, bah voilà, tu peux en fait te déplacer, attaquer, régénérer tes mouvements, te déplacer, attaquer, etc. En fait, vraiment, pour les héros mêlés, c'est une composante hyper importante d'avoir D'accord. Donc là, je pourrais me redéplacer et re-attaquer. L'idée, c'est de faire plein d'actions, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, potentiellement... Ouais, c'est ça. Je peux me redécaler 2-3, on repart un tour. Et après, du coup, on a... donc, Trinity, elle a une grande hache. Et donc, alors là, t'as cliqué sur l'ennemi, ouais. En fait, la grande hache, elle a pour but de taper dans la masse. Donc en fait, elle est ultra imprécise. Donc elle va faire des dégâts où on peut pas trop compter dessus parce que son range de dégâts est très grand. Mais elle a l'avantage de taper plein de mobs en même temps. D'accord. Là, par exemple, ici, ouais, si tu fais une preview de l'attaque turbulente, par exemple, qui est là, ouais. Ouais, là, ouais, tu peux voir. En fait, il y a une AOE très grande autour de toi. Mais voilà. Bon là du c'est coup autour de toi ouais, du coup. En plein milieu des ennemis pour l'activer mais voilà bon de toute façon là c'est le premier tour donc il n'y a pas encore trop d'ennemis. Trinity faudra pas hésiter à l'envoyer dans la masse là. Très bien, très bien. Alors on. Alors Dame. Dame qui a quoi comme compétence en particulier? Donc ouais bah là c'est la grande épée, donc elle est bourrin. elle tape pas beaucoup d'ennemis en même temps mais elle fait assez mal quoi et il y a aussi cette notion de. Voilà, il y a des attaques qui ont aussi la. Fais pareil sur les deux autres là. Les deux autres. Non, sur les deux qui sont près des murs. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y en avait deux là. Quel imbécile. Tu peux les taper. Ah, oui, j'avais pas fait gaffe que c'était. Dame, son second set, c'est une épée à une main qui se veut un peu plus axée sur la mobilité. Ah, oui, avec Tab. Ouais. En fait, voilà, tu as le deuxième set aussi. Donc, ouais, c'est riche. De suivre les ennemis, etc. Ouais. Donc, celle-là, c'est arme, c'est un peu comme un échiquier ou un jeu de dames où en fait, si tu arrives à tuer ton adversaire, tu prends sa place.
ou des trucs où en fait la deuxième attaque c'est tu vas passer à travers l'ennemi et tu vas atterrir derrière. Donc du coup là ouais t'as vraiment ce jeu de déplacement avec ce personnage. Un fin wave. Alors attention, là je en totale autonomie avec mon perso. Qui envoie sa petite. Ah, qui envoie une flèche pas suffisante. Avec discernement, bien sûr. Très bien. Loin aussi, de distance. Au niveau ressources, donc on a trois ressources principales sur les héros. Oui. On a les points d'action, on a les points de mana et les points de mouvement. Ah, attends. Les points d'action et les points de mouvement se régénèrent entièrement à chaque tour. Et les points de mana, eux, en fait, ça c'est souvent un truc qui est un peu une surprise. En fait, ils se régénèrent que en journée. Et oui. On a une régène de mana qui est fixe sur le personnage, enfin qu'on peut améliorer avec les niveaux, mais oui. Ça remonte pas à 100%. Donc là, on voit par exemple que Atto il a plus 6 de mana, donc à la matinée, donc à la prochaine phase de production, il va régénérer 6 points de mana, alors qu'il y en a une quarantaine en total. Quoi. Oui, d'accord, ok, ça marche. Voilà, donc ouais, c'est vraiment une ressource. Le mana, c'est le truc qu'il faut faire attention parce que bah, les gros sorts, en fait, ils coûtent du mana, donc on a envie de les utiliser à tous les tours. Mais le problème, c'est qu'ils sont, s'ils sont pas bien optimisés, bah, en fait, on va juste les gaspiller, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est le truc à faire attention quand on est débutant, quoi, ne pas trop dépenser de mana. Ah, d'accord. Essayer d'optimiser, justement. En fait, quand on a une AOE, il faut se dire, ok, en fait, il faut que le 3/4 des cases que je vais utiliser soient remplies par des ennemis. Ah, t'as fait. Par exemple, si tu veux faire la pluie de flèche, vas-y, clique dessus. Ouais, là, il va falloir, en fait. Ouais, vas-y, ouais, rapproche-toi peut-être. Quoique. Ah, je suis plus près. Donc là, tu vois ici. Ah, vas-y, ouais, dis-moi. Ah, ouais, elle utilise 2 d'action, mais sur 4 de mana. Mais ouais, là, tu vas toucher plein de monde, c'est assez cool. Ah, là, tu touches. Donc ouais, là, c'est un super coup, par ouais. exemple. Ah. Ici, là, tu vas en tuer 4. Allez. C'est pas mal. Blum. Ah, voilà. Voilà, ça c'est fait. Ouais. Très bien. Alors, on va pouvoir faire petite action. Alors, attends, parce que là, encore une fois, je regarde les coups de dame-dame, donc il y a. La charge qui fait donc un... Ah oui, c'est que ça tape autour de moi dans une direction, c'est ça? Alors, non, en fait, c'est tu vas... ouais, exactement. Là, vas-y, si tu fais ça, tu vas te téléporter... Enfin, tu vas arriver derrière l'ennemi. Ah oui, ce que tu disais, voilà, c'est vraiment, ça. Ouais, c'est ça. Et le premier, en fait, lui, le premier, c'est tu prends la place de l'ennemi si tu le tues. Donc, voilà, tu peux alterner entre les deux. Ouais, d'accord. Ah, par contre, là, j'ai loupé. Et donc, c'est bien, en tant que personnage corps à corps, c'est bien parce que ça te permet de fuir facilement, en fait, la situation. Tu peux même utiliser ton skill... pour fuir en fait au lieu d'attaquer. Ouais. Ouais, puis j'imagine que vous de votre côté, enfin un des enjeux en ayant donc peu d'unités pour en tuer beaucoup, il a fallu trouver plein de mécaniques pour que justement on ait un peu cette sensation de laver complètement le terrain avec une bonne utilisation des compétences quoi. Ouais. Hop, ouais, c'est ça. Ouais, et surtout et donc de créer aussi, du déplacement. Ouais. Et aussi on a dû revoir un peu les effets classiques, par exemple, c'est vrai que dans les tactical RPG, le poison, enfin voilà, poison, debuff, c'est des trucs hyper classiques. Oui. Et on a dû beaucoup les travailler parce que bah en fait quand t'as une centaine d'ennemis, si tu empoisonnes une personne, bah c'est nul en fait. Pourquoi j'empoisonnerais si je peux tout de suite le tuer avec une grosse attaque? Donc du coup on a dû ouais, trouver des petites astuces sur ça. Notamment par exemple via des perks, on a un statut qui s'appelle Contagion. Ouais. Fait que quand on va tuer une unité, en fait, elle va transférer tous ses ouais. debuffs sur l'unité adjacente. D'accord, ouais, très cool. Comme ça, transférer les malus, tout ça, enfin voilà. Ok, nice. Des petites choses comme ça qu'on a dû trouver à droite et à gauche pour rendre ça intéressant. Alors, une petite défense en plus, et là, on va attaquer du côté Trinity. Alors, est-ce qu'elle aurait le... Alors, tu disais, Rage du Berserker, c'est autour de moi. Non, c'était ça qui était autour de moi. Donc là, l'idée, c'est de me mettre que... au milieu. Miser ça. Donc si tu veux, il y a le deuxième. Alors là, tu peux prendre le deuxième sort. Ouais. Ah, le et saut. En fait, pour là, c'est un saut. Ah super. Voilà. Là, tu... Alors, du coup, faut trouver un endroit où c'est disponible parce que faut que tu sautes sur une case vide, en fait. Oui. Qui est. Ah oui, donc là, ce serait pas possible. Ouais. Ouais. D'accord. Ah oui, c'est dans le plus, mais c'est d'accord. Ben ça. Ouais. Ouais. Très bien. Et là, potentiellement, voilà, en plus, là, t'as débuff les ennemis, donc du coup, maintenant, tu peux... Alors non, c'est pas... Ça, c'est, c'est l'autre. Un buff, ouais. Voilà. Putain, c'est vraiment trop, trop cool. Ouais. Non, c'est... Et du coup... Oui, moi. Ouais, je disais, peut-être tu peux faire un tour dans la character sheet aussi pour montrer les oui. perks. Ah, tu... nickel. Ah là, c'était beau. Ouais. Tu veux que je montre quoi, excuse-moi, dans la carte de... Tu peux ouvrir la character sheet... pour aller faire un tour dans les perks. Donc du coup là c'est en bas à gauche, excuse-moi, oui. je te dis pas où c'est. en bas à gauche, il y a le bouton à gauche là, ouais. Ici, feuille de personnage, exactement. Ah. C'est vrai qu'on n'a pas, au jour, on n'a pas ouvert cette fiche, donc qui est très importante. En fait finalement, c'est là où on va voir comment ton personnage est orienté avec tous ses attributs, tout ça.
Il faut savoir que The Last Spell, c'est un jeu où on a voulu classless, donc en gros, au début, t'as pas de classe sorcier, mage, enfin sorcier, distance, tout ça, c'est toi qui décides, ouais. Même si on t'oriente un peu ton personnage. Mais voilà, et notamment avec les talents, donc si tu vas dans l'onglet talents, en haut à droite. Donc voilà, donc là ici, Bastieux, Maxence, tu peux expliquer ouais, un peu cet arbre. Ouais, donc en fait on a huit branches donc de talents, trois qui sont fixes. Où en fait la première ça va toujours être, les trois premières ça va toujours être guerrier, mage et archer. Ouais. Ensuite les deux milieux ça va être toujours aléatoire selon les personnages. Et ensuite les trois dernières c'est les misques. Donc le principe c'est que quand on monte de niveau on gagne un point de talent et en fait on peut récupérer d'abord les tiers 1, puis les tiers 2, puis les tiers 3, etc. Ouais. Et donc c'est comme je disais tout à l'heure, il y a certains talents qui ont un impact dans le gameplay direct et d'autres qui sont un peu plus passifs. Par exemple là on voit dans l'avant-dernière colonne il y a un boost d'XP en fait, donc le personnage il va gagner plus d'XP en fin de journée. Ouais. Et par exemple quand on regarde la première catégorie, on a un talent qui s'appelle contre-épineux, donc la toute première ligne, enfin la deuxième ligne mais la première colonne, qui lui fait des dégâts en fait quand on se prend des dégâts on en renvoie aux ennemis. Et en fait il y a plusieurs ce qui est intéressant dans les perks, c'est qu'en fait on a essayé d'avoir des combos possibles à la fois au sein de la même catégorie et au sein de plusieurs catégories différentes. Donc par exemple on peut avoir des catégories qui vont augmenter nos stats de défense et d'autres qui vont augmenter nos dégâts selon nos stats de défense ou ce genre de choses. D'accord, ok. Donc voilà. Ça marche. Bon, ah, cool. Donc voilà, donc par exemple c'est ça aussi que le côté classless, c'est quelquefois un guerrier va prendre des compétences, enfin des perks de mage parce que en fait dans sa construction ça a un intérêt de faire ça. D'accord, ouais. Ah oui, super intéressant. Ah mince, zut. Bon, c'est pas grave. Alors là, ouais, c'est l'ennemi qui a dodgé. En fait, lui, c'est l'ennemi dodge. Il est chiant. En fait, il fonce directement vers le centre de la carte. Et en plus, il dodge beaucoup. Donc voilà. Attends, je me rappelle plus la... C'était quoi déjà, Marteau de la Foi? Alors là, c'est un effet de propagation. Vas-y, Maxence. Ouais, donc l'effet de propagation, en fait, on va cibler une unité. Et après, le spell, en fait, enfin le sort va se... Voilà. Va voyager. Se balader d'ennemi en ennemi. Ouais, voyager d'ennemi en ennemi. Vas-y. Ah, mais du coup, là, donc là, le marteau de la fosse, il y a une chance de stun, voilà. En plus des dégâts. Donc ça va, voilà. Donc là, par exemple, t'as stun ton propre héros. Enfin, t'as on a friendly fire, mais c'était efficace. Exactement. Ouais. Yannick, il t'a dit, vraiment une idée. C'était vraiment une idée, là, quoi. C'est réaliste, hein, c'est bien vu. Non, mais ça arrive. Touk. Alors, est-ce qu'on peut s'auto-blesser? Parce que du coup, non, quand même pas. Sur les propagations, non. On peut pas se propager sur soi-même. Bon, ça se passe mieux d'un côté que de l'autre, hein, quand même. Je vais pas balancer, mais les deux teams n'ont pas eu la même efficacité. Alors, ouah ! Ok. Eh oui. Alors, oui, aussi, la nuit est longue. Il y a combien de tours, là, dans la nuit ? En fait, en haut à gauche, justement, t'as un chiffre en violet. Donc ça t'annonce les ressources que t'as. Et juste en dessous, t'as une barre en bleu. Ouais. Qui t'annonce la progression en fait de la nuit, donc là tu vois que t'es à peu près un peu plus de la moitié de la nuit. D'accord. Et la barre juste en bas donc que t'avais regardé juste avant, en fait ça c'est la barre de panique. Oui. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, donc là pour l'instant y a pas encore eu d'ennemi qui a été dans la ville, donc la panique elle est encore à zéro. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est une très bonne nuit. Et si jamais t'as des ennemis qui vont dans la ville, tu vas voir que la barre de panique va monter. Et en fait t'as des marqueurs, donc là t'as un marqueur avec un premier point d'exclamation, ensuite deux points d'exclamation, trois points d'exclamation et quatre points d'exclamation. Ouais. Et ça en fait c'est les différentes notes que tu peux avoir, donc là on est encore dans la note S, et ensuite tu auras la note A, la note B et la note C quoi. D'accord, ok, ça me va. Et donc, alors je sais pas si on va rester justement sur cette démo tout du long, je sais pas si vous avez une vidéo que vous aviez peut-être, parce que je sais que vous avez une grosse update qui arrive bientôt là justement avec une grosse refonte du metagame, c'est ça? Ouais. C'est ça, exactement. Alors, on n'a pas de vidéo sur ça, mais ouais, en fait, sur tout au long de l'Early Access, on a fait une Early Access où on a retouché à tous les systèmes du jeu au fur et à mesure. Donc, globalement, on a touché à tout. Et le dernier truc qui nous manquait, c'était le metagame, parce que, en fait, ça impliquait beaucoup de choses, quoi. Donc, oui. Donc, voilà, il fallait que le jeu soit solide de base pour retoucher ça. Et donc là, ouais, on est en train de tout changer, parce qu'on avait des critiques des joueurs... qui était complètement fondé, c'était le fait que le jeu est un peu grindy, parce que en fait, on va pouvoir acheter des améliorations permanentes pour les runs suivantes,
mais bah, ça coûte beaucoup de ressources, quoi, et du coup, c'est un peu pénible à faire, donc on a cherché à corriger ça. Et aussi, il y a un problème, c'est que quand on a le jeu à 100%, en fait, on roule un peu sur le jeu. Tout du moins, quand on, a la, quand on joue, en fait, on se rend compte que le méta est vraiment surpuissant. Donc, on a cherché à corriger ça en introduisant un nouveau système. Donc, en fait, c'est des bonus par run. On peut en choisir une quantité limitée. Et voilà. Et d'ailleurs, avant la fin de la démo, on pourra vous montrer une autre ville si vous voulez. Ouais, ça, alors il reste 5 minutes au timer, donc c'est à vous de nous dire aussi par rapport à ce que... Écoute, alors, si tu veux, tu peux abandonner, là, tu peux faire échappe. Voilà, je vais surtout tellement acheter le jeu. Ouais, oui. Alors dis-moi. Pas trop folle. Ok. Abandonner. Abandonner, très bien. Ouais. Voilà. Que se passe-t-il pour le gamer? Je sais pas si on l'a abordé. Tu peux... Pardon, j'ai pas... Non, vas-y, dis-nous tout, on verra après. Ouais, excusez-moi. Oui. Du coup, là, on arrive dans l'oraculum, donc c'est la partie méta du jeu. Donc si tu veux aller à gauche, par exemple... Ouais, vas-y, clique ici. Voilà, donc ici, en fait, c'est l'endroit où on va acheter les diverses améliorations. Alors, et aussi, on a la partie narration du jeu, où on a deux déesses qui sont mystérieuses, qui ont un lien avec toute cette histoire. Donc voilà, bon là, on est sur une partie 100%, donc t'as plus rien à acheter, mais voilà, on peut voir... Tiens, mais en full screen... On peut voir tout ce qu'il y a acheté. Ouais, peut-être avoir en full screen pour les gens qui... Ouais. Voilà. Il y a une liste, somme toute, assez conséquente. Ouais. Oui, c'est... En gros, il y a deux, comme a dit Benjamin, il y a deux DS, et en fait, donc là, cette DS-là, on débloque les comment dire... Pardon, les améliorations en fait avec de la monnaie qu'on gagne en jeu, qui est quand on finit des nuits, on gagne des ressources et on peut dépenser ces ressources là. Ouais. Et en fait, c'est la deuxième DS donc, elle c'est plus des défis. En gros, c'est par exemple résister tant de nuits sur telle map ou terminer telle map, etc. Donc il n'y a pas de notion de ressources à dépenser ici, c'est plus des achievements. Si on joue plein, enfin, plus on joue, plus on débloquera automatiquement des faveurs avec la deuxième DS quoi. Bah, c'est vraiment génial hein, ce que vous avez fait. Hein. Impressionnant. J'aurais eu 1000 questions à vous poser honnêtement. Je sais que, notamment, j'avais vu la conférence du GameCamp qui était très cool. Il y a un milliard de questions abordées. Mais bon, on n'a pas le temps de tout évoquer. Donc, ce qu'on peut dire en résumé aussi, c'est que du coup, l'Early Access vous a quand même énormément aidé pour justement gros succès, ouais. Réaliser toutes ces mises à jour en fait, hein, avec notamment la partie. Okay. Récupération des retours et donc ce que tu viens d'évoquer finalement. Vous voulez qu'on voit la petite vidéo ? Ah, qui n'est pas là. De quoi ? Non ? Qui n'est pas là, normalement. On n'a pas de vidéo. Ah, non, on n'a pas de vidéo, pardon. Si tu veux, tu peux. Alors, mais t'étais en train de tuner la vision. Désolé, j'étais en train de bloquer. Excusez-moi, je te laisse faire. Par contre, oui, leur leak qui est un énorme carton là depuis juin et 2021. Et donc, vous préparez, entre guillemets, le fameux, on va dire, le fameux end goal pour beaucoup des early access, la 1.0. Donc vous avez plus ou moins une fenêtre de tir pour la sortie de la 1. Pour l'instant, la fenêtre de tir, c'est début 2023 pour la 1.0. Quoi. D'accord, ouais, ça y est, vous avez touché au but. Quoi, c'est ouais. Chaud bouillant. Donc, du coup, début 2023, là, et en fait, il reste une grosse mise à jour, donc celle du méta. Et puis après, on fait un tunnel jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ait tout fini quoi, pour pouvoir sortir la 1.0 et aussi se concentrer sur le portage console. Quoi. Ça marche. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment très cool, encore une fois. Ouais, super jeu. Je pense que je vais jouer dans le suivi. Tout simplement. Merci. Donc, on rappelle que le jeu est disponible sur Steam. Vous avez le lien qui sera... dans le chat, évidemment, les wishlists, c'est une chose, mais surtout, là, donc, on est sur un jeu qui est déjà dispo, donc que vous pouvez acheter s'il vous intéresse. On va enchaîner avec la suite du programme, mon cher MV. Tout à fait, on va rester chez notre ami. Merci encore, Benjamin. Merci encore, Maxence. On se va enchaîner avec Pharaoh, A New Era. Et sans transition comme ça, même pas de petite pause. Il s'est installé, c'est bon. On m'a dit de venir. Moi, j'ai vu de la lumière. Et, bon. Écoute, on peut, c'est pas grave. Tant pis pour la bouffe. On va enchaîner. Juste laissez-moi le temps d'installer du coup le jeu. Je vous laisse parler entre vous, évidemment. Donc avec Théophile, on est de retour. On s'est déjà vu pour At Long Games, hein, bien évidemment, sûr. Évidemment, oui.
Et on t'avait déjà vu ici pour Pharao il y a, au premier, il y a deux ans. En France, en la première édition, où, avec une version qui était incroyable, hein, où c'était toi seul qui avais les arcanes secrètes, il n'y avait pas de, quasiment pas de HUD, c'est toi qui faisais apparaître les choses magiquement. Ouais, tout au raccourci clavier, setup à la main. Donc on le rappelle, hein, bon, enfin, tu vas nous le rappeler hein, de toute façon, mais voilà, Pharao, hein. Pharao qui est un petit peu un de ces jeux emblématiques de l'époque Sierra et de City Builders, comme les Kaisar et autres, c'était toute une époque, vous parlez de ces jeux-là à beaucoup de trentenaires, quarantenaires, et leurs yeux s'illuminent, et ben voilà, enfin, dis-nous un petit peu ben, la genèse du projet, où ça en est. Ouais, ça avance, ça a pris du temps, effectivement. Oui. Il y a pas mal de trucs à régler, mais du coup, ouais, remake d'un jeu qui a 23 ans maintenant. Beaucoup, beaucoup plus de boulot qu'on ne s'imaginait au départ. Hein, donc évidemment, ça, c'est toujours... c'est toujours un truc auquel on ne s'attend pas. C'est des jeux un peu... C'est des plats de spaghettis, on appelle ça. C'est plein de petits systèmes qui se toussent les uns aux autres. Et du coup, voilà, c'est vite le bordel. Mais ça donne... Ça donne ce gameplay qui est si marquant pour cette époque-là. Et l'idée avec New Era, c'est vraiment... voilà, c'est le même jeu. Et juste, on a mis des petits trucs. Bah, déjà, on a changé tous les graphismes, on a refait la musique pour que ça soit un petit peu plus moderne. Et on a travaillé un petit peu l'accessibilité et les petites options pour rendre le jeu plus agréable à jouer. Mais fondamentalement, c'est la même chose. D'accord. On est sur un remake, quoi. C'est ça. Pas remaster et c'est ouais, on garde vraiment ouais, le sens. Ouais, en fait, il y a pas de code source. C'est juste de ces années-là, souvent c'est perdu, donc ouais. On peut pas trop se permettre de. Du coup, sacré taf, j'imagine quand même de devoir vraiment éplucher jusqu'à la moelle tout le truc de base pour pouvoir le restituer, quoi. C'est de l'archéologie moderne. Ça doit être trop intéressant, par contre. Mais effectivement, c'est un sacré truc, quoi. Et effectivement, ça a été du taf d'explorer des choses et on a redécouvert pendant le développement des choses. Qui sont complètement invisibles pour les joueurs, mais qui étaient dans le jeu, et on se dit « Ah merde, faut les refaire, faut les remettre dedans. » Ouais, exceptionnellement, on joue en anglais, il y a une version française qui est bien avancée, mais vu qu'il y avait quelques petits trucs à ne pas montrer, on reste tranquille. Voilà. C'est toujours délicat, on bosse dans plein de langues à la fois, hein, toujours. Et donc du coup, la version où toutes les clés sont remplies est l'anglais. Donc si vous ne voulez pas avoir des clés de langage... Ouais. Je reprends ça ou je recrée une ? Tu peux prendre celle-là, c'est bon du coup. Très bien. Donc là, pour le coup, par contre, on va peut-être montrer... Bah, on peut montrer le début de la campagne. Le début de la campagne. Okay. Tu peux avancer. Le tuto. Voilà, donc on reprend les missions de l'original. Hein, donc c'est le même jeu. On a retapé un peu le tutoriel pour qu'il explique un peu mieux les choses. Alors, il y a toujours du texte. Hein, voilà. Oui, évidemment. C'est toujours un jeu où il faut prendre le temps. Ouais. Voilà, et on a gardé les narrateurs. Alors là, du coup, il va être en anglais. Oui. Voilà, mais il y a évidemment les voix françaises originales sont dispo pour les joueurs. C'est le cas dans les cinq langues. D'accord, trop ouf. Voilà. Ok. Alors, nous y sommes. Voilà, là, on va nous expliquer gentiment le bas et bas. Et en plus, on est guidé. Ça ne sera plus le cas après. Là, ça sera dramatique, hein, je vous rassure. Non, pour la première mission, c'est vrai qu'on force le joueur à... faire les choses d'une certaine manière qui fonctionne et après on te laisse expérimenter, mais c'est vraiment pour que tu puisses te rabattre sur quelque chose qui fonctionne quand ça devient la panique et que tout prend feu. Voilà. Oui, voilà, exactement. Il y a quelques... Qu'est-ce que je fais? Oui. Je suis sur route, là. Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Let's go. Et donc, ils vont arriver gentiment avec... Ah oui, hein. Laisser les effets sonores à fond, vivement qu'on ait des chasseurs. Ah oui. Je sais que tu adores ça. C'est vrai qu'on va entendre le bruit des flèches. On va accélérer un petit peu pour voir ça, vu que là, notre but, c'est d'arriver à 200 habitants. Donc, les quartiers résidentiels, évidemment, qui, au bout d'un moment, mergent et deviennent de plus en plus prestigieux. Alors, c'est vrai que là, c'est des maisons en terre. Hein. C'est pas dingue, mais ça va aller de mieux en mieux. Donc, oui, crucial, l'accès à l'eau, bien entendu. Là, dans un premier temps, hop. Puis c'est bien ça, ouais. On pose ici. Là, ouais, c'est plutôt à la cool. Hein. Pour l'instant, on pense qu'à l'eau, pas encore aux maladies. Dans le jeu original, tu peux perdre
Mission 1. Ah ouais, ça oui, sur tuto, oui, c'est ça fait partie des options d'accessibilité quand tu dis que vous avez acheté un peu bah, le genre de tuto, on fait partie ou... Ouais, en gros, c'est des murs de texte dans l'original et tu te débrouilles. Là, d'accord. On essaie de faire les points les uns après les autres. D'accord. Et dans les options d'accessibilité, typiquement, là, voilà, MV a mis le jeu en pause pour construire. Oui. Dans l'original, tu peux pas construire en pause. D'accord, ok. Donc, du coup, c'est une galère sans nom. Et une fois qu'on a goûté juste à ce petit changement, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ouais. D'accord. Et donc, c'est vraiment plein de petites choses comme ça, d'user experience, qui font que quand tu relances l'original, parce que deux fois on a besoin, tu rages pas mal de ce que c'est. Quoi. Ah, ça va être drôle d'ailleurs. On va... Donc, les bâtiments de chasse sont posés, et là, on a les recruteurs. Voilà. Donc, le cauchemar de tous les enfants des années 90. Bien entendu. Ils vont traverser de l'autre côté de la rue, mais pour aller chercher des travailleurs et pas du travail. Ah. C'était une autre époque. Et voilà, donc en fait, effectivement, tous les bâtiments ont besoin d'avoir accès aux habitations pour trouver des travailleurs. Ah oui, on a le zoom. Ouais. Les gens sont émus, mais oui. C'est vrai que... Et effectivement, c'est une mécanique qui est un petit peu complexe, hein, le recrutement. Donc, on a toute une série d'options prévues pour la sortie où on pourra choisir que tout le monde ait accès à la main-d'œuvre par défaut. D'accord. Et plein de petits équilibrages pour un peu... Bah, finalement, créer son expérience à la carte. C'est vrai que, comme tu disais, c'est une série de jeux, il y a eu Caesar, etc. Et à chaque épisode, il y avait des petits changements et les gens ont leurs petites habitudes, leur petite nostalgie de certains éléments. Donc, on a essayé de proposer un panel, un panel de choix qui permet à tout le monde de jouer et d'être à l'aise. Quoi. Alors, le bazar est posé. Ah, et donc, oui, ça, c'est voilà, donc, intéressant également. On appelle l'ambulomancie, c'est les personnages ont l'air de faire des trucs complètement aléatoires. À chaque fois qu'ils arrivent à un croisement, ils partent pas du tout à l'endroit où tu voulais qu'ils aillent. Ouais. Et en fait, il y a un algorithme un petit peu compliqué derrière qui est inexplicable, mais l'idée, c'est qu'on essaie de faire en sorte qu'ils essayent d'aller à peu près où on veut. Et un truc sur lequel on continue de travailler, c'est d'essayer d'afficher, quand on pose un bâtiment, le chemin que pourrait prendre... D'accord, okay. Le chemin que pourraient potentiellement prendre les personnages pour se donner une idée de à peu près ce qu'il va avoir accès. D'accord. Ah, qu'il va avoir accès à les fameux ça. Roadblocks, les bloqueurs, points de passage. Voilà. Ah, et là, on arrive voilà, aux incendies. Los Embrullos, on nous explique en effet que les bâtiments, il faut les maintenir pour qu'ils tiennent debout et également qu'ils peuvent prendre feu assez facilement. Donc du coup, il faut bien entendu créer des services. Les deux, safety, c'est en bas, ouais, c'est ça, c'est donc Firehouse. Ah oui, là c'est libre choix. Ouais, bon, tu construis ça où tu veux. Ici ça marche. Ouais, ça fonctionne. Firehouse, et il faudrait aussi mettre... un architecte. Je vais en mettre deux, là, j'ai budget infini. T'as pas tant d'argent que ça, mais normalement c'est vrai que... Ça va tenir. Et l'architecte donc aussi pour éviter... En fait, si tu cliques... Si tu cliques sur une maison, par exemple... Ah oui, tu m'avais dit, ouais. On va te donner les infos et on va te dire, attention, ce bâtiment, il a une chance de s'écrouler ou pas, et tu sais si c'est des endroits où tu as besoin de mettre... T'as vu aussi, attends, c'était... je vais faire ça. Là, il n'y avait pas une touche magique qui contrôle. Ah oui. Alors, ça, c'est le petit truc qu'on a rajouté, c'est qu'on peut copier-coller un bâtiment directement depuis le jeu. Tellement pratique. Et c'est hyper pratique et on s'en passe plus. Ouais. Donc, effectivement... Voilà, donc ça c'est une maison et on vous dit la maison, voilà, donc elle peut pas s'écrouler, donc effectivement, mais elle a un risque de feu qui va augmenter avec le temps et donc il faudra surveiller. Ouais. D'accord. Ouais. Comment tu fais l'espèce d'équilibre, tu vois, entre les choses que tu as envie d'ajouter pour ajouter du confort et des choses comme ça, et en même temps l'idée de pas trahir entre guillemets, tu vois, l'esprit d'origine, machin. T'imagines, c'est des choses qui sont tellement difficiles justement, tu vois, à pondérer. Bah, c'est un équilibre qui est parfois dur à trouver. Ouais. On a toute une communauté de joueurs qui jouent depuis 99. Donc ils nous disent, ce serait bien que ce soit plus difficile. Et bon, c'est gens qui ont déjà le jeu, mais qui... voilà. D'accord, ouais. C'est un peu compliqué, mais l'idée, c'est qu'on essaie de faire en sorte au moins que quand il se passe un truc, quand les trucs se passent mal, tu puisses voir au moins pourquoi. Ouais. Et résoudre les problèmes. D'accord, ouais, ça marche. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu gardes le core gameplay et puis les mécaniques de base, mais par contre, c'est peut-être au niveau de la signalétique, entre guillemets, où tu vas accentuer les choses. C'est ça, aussi. Et après, on a un petit peu ralenti les risques. Ouais. On a un petit peu tout ralenti pour essayer de... Donc voilà, mission terminée. On peut évidemment rester chill si on le désire, mais là, surtout, le but, c'est de passer à la suite. C'est d'avancer, voilà.
D'accord. Donc en fait, la façon dont c'est fait, c'est que c'est une très longue campagne, il y a une cinquantaine de missions. Alors, à un moment, il y a des choix d'embranchement à faire, donc on n'en fait pas, voilà. Ouais. Mais ça occupe. Et en fait, le tuto est intégré au début de la campagne, donc les missions introduisent au fur et à mesure les éléments de jeu. Ouais. Et puis au bout d'un moment, bah, voilà, faut passer 3h30 à construire une pyramide. Honnêtement, très sincèrement, je ne connais pas du tout le jeu de base. Je fais partie des non-initiés. Désolé. Tout ce style-là, hein, ces jeux-là de l'époque, Sierra, les J'en ai quelques-uns, mais ce n'était pas forcément celui-ci. Mm-hmm. Et c'est vrai que du coup, ouais, la finalité à long terme d'une partie qui avance et qui va très loin dans la progression, c'est quoi? C'est la pyramide, c'est le... En fait, donc tous les missions ont des objectifs. Ouais. En règle générale, c'est des objectifs de population ou de monuments à construire, de ouais. certains scores à atteindre. Okay. Et bah, c'est lié au level design de la map. On va souvent te demander un truc qui va te poser un problème par rapport à là où t'es placé. Ouais. Tu m'as établi une optique que je n'ai plus du tout. Je pense que tu vas être un peu loin de l'herbe pour mettre des puits. Mais... Ah oui, c'est vrai. Mais écoute, essaye. Ça va être. Non, mais c'est bon, je. Ah ouais. Je pars sur un plan B. C'est pas bête. Voilà. Mais effectivement, voilà. Donc c'est. D'accord, ouais, c'est vraiment objectif plus contrainte qui fait que derrière tu. Ouais, c'est ça. Et après, il y a toujours du mode bac à sable. Ouais. Où là, en fait, la finalité, c'est de construire la ville dont on est le plus fier, dont on est le plus content. Et... D'accord, ouais. Voilà, on a des gens qui se lancent des défis un petit peu compliqués, mais il y a des gens qui veulent juste se faire une petite ville et que ça tourne. Il n'y a pas de notion de multijoueur, réussir à tel objectif avant. Voilà. Je pose vraiment la question parce que je te dis, c'est total novice. Et je pense que sur le chat, il y en a parce que rendez-vous compte aussi, ouais, que fais attention, il y a des gens qui ne connaissent pas. C'est à l'ancienne, c'est solo, c'est long. Oui, oui, c'est fait pour se perdre dedans, profiter de la musique. Ouais. Oui, j'ai vu sur le chat que le. C'est pas stylé. Oui, mais voilà, mettre de l'Olympe, ça pour le coup, j'avais fait. Est-ce que je mets assez d'eau? Comment on voit... Là, en fait, là, t'es bien parce que une fois que le puits va tourner, le mec va distribuer l'eau à tout le monde. Ouais. Et du coup, les puits ne seront même plus nécessaires. Très bien. Donc, bon, on va tout faire un petit peu avancer, mettre les chasseurs. Alors oui, c'est ça aussi l'optimisation qui va être intéressante, c'est justement les fameux bloqueurs, les passages qu'on met à certains endroits pour faire en sorte qu'il y ait seulement les gens qui ont un but précis qui prennent cette route-là, les travailleurs cette route-là seulement, etc. Organisation absolue. Et ça, quoi. C'est des choses qui m'effraient absolument, mais mais c'est cool. J'en mets, faut en mettre pas mal. Ouais, deux ou trois, c'est bien. Trois, c'est large. Cool. Mmh. Ah, et il faut des employés. Ouais, mais là, ça va arriver à tout le monde. Les recruteurs. Donc là, tu peux commencer à te mettre des bloqueurs qui sont juste là sur les. Donc là, tu un peu plus haut. Plus haut. Là. Voilà, vers l'ouest, voilà. Juste ici ou? Ouais, ici. Et pareil en bas. Là. Voilà. Et là, du coup, tu sais que tes persos vont rester là-bas. Ah oui, là-bas, ils vont pas se barrer là-bas. Voilà, oui, vont pouvoir avoir accès à la main-d'œuvre. Bien sûr. Et alors là, il faut vraiment que tu penses à ton architecte et ton pompier. C'est exactement ce que je me disais. Ça va vite. Ça peut aller très vite. En plus, qu'on en voit 5 quand on y va. Ah oui, et la police aussi, parce que la criminalité va arriver. Du coup. Alors là, typiquement, avec ce nombre de bâtiments, il faut que je pense à combien de pompiers En fait, la question, ce n'est pas le nombre de bâtiments, c'est qu'est-ce qui va se passer sur ton réseau routier. Voilà. En l'occurrence, là, effectivement, il va avoir quelques embranchements, mais tu sais qu'il va plus ou moins repasser partout, à peu près régulièrement. Donc, un de chaque devrait suffire. Ah, d'accord. Okay. Et vraiment, quand tu as des... En gros, le jeu est fait comme ça à la base, c'est quand tu as un souci sur un truc, tu reposes un bâtiment... à l'endroit où tu as eu le problème, et ça devrait plus ou moins le régler. Voilà, et normalement, on peut avancer comme ça. Alors, c'est sûr que si on se met en difficile, ça devient plus compliqué de jouer comme ça, mais on n'est pas obligé non plus de planifier. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ça, c'est à mettre relativement loin des maisons, pour éviter l'attrait négatif. Mais là, par exemple, ce sera très bien. Il y a une question qui est posée sur le chat, et je ne sais pas si elle est à vous, donc tu me fais un wink-wink si jamais. C'est concernant les gens qui ont fait le jeu à la base. Est-ce que vous êtes en contact avec eux, en fait? Est-ce qu'il y a un échange qui se fait? Comment... Nous, on est en contact avec le directeur de l'époque, Chris Béatrice, et avec un des deux compositeurs, qui est Zizar. Et c'est des gens qui sont... Keith est prof de musique à l'université, et Chris est illustrateur de livres. Il n'est plus du tout dans le jeu vidéo, donc c'était assez marrant de pouvoir échanger avec eux. D'accord. Et ils avaient l'air très contents qu'on refasse le jeu. Pas surpris que ce soit des Français qui refassent Pharaon. Ah ouais, c'est vrai. Assez étrangement, ils nous ont dit qu'à l'époque,
Sierra France, quand ils avaient vu Caesar, ils avaient dit il faut absolument que vous fassiez en Égypte, nous on va vous en vendre plein, on adore. Et donc du coup, voilà, ils n'étaient pas super surpris qu'on s'attaque à ça. D'accord, ok. Alors là, du coup, pour que, parce que le but c'est d'atteindre. Ah bah voilà. Okay. Bah là, t'as atteint ton objectif, en gros, on te fait réatteindre ce que t'as fait à la mission précédente et on t'ajoute les choses au fur et à mesure. On va aller miner de l'or. Voilà. Et une autre question qui était un peu évoquée, c'était le travail sur la musique, parce qu'effectivement, bah j'imagine qu'on reconnaît les musiques de l'époque, qui sont, mais du coup, vous avez refait en fait. Ouais, en gros, c'est les mêmes mélodies, hein, etc. Ouais. C'est juste que, moi, ce que j'ai demandé à Louis Godard, qui est notre compositeur, c'est je lui ai dit, en gros, je veux que les musiques, elles soient ce que je m'imagine, ce qu'elles étaient pour moi quand j'étais enfant. C'est-à-dire, okay, ouais. Mets le paquet sur... Enfin, j'ai fait une bêtise pour la musique. C'est pour les... Tu descends, il faut qu'il y ait des... Il faut qu'il y ait de l'or, en fait, dans les rochers. À gauche. Ah oui, d'accord, parce oui, que oui. Si c'est des rochers normaux, il y aura... Je suis en train de le faire, c'est un rocher en dame. My bad. Voilà. Je demande de faire 2000. Du coup, hein... Ouais, donc tu disais, c'est l'image que t'en avais à l'époque, tu voulais que ça ressemble à... En fait, je veux, c'est ça, je veux que quand les gens aient de la nostalgie du jeu, et ils ont ce souvenir exacerbé de ce que ça n'était pas, parce que c'est toujours la force de la nostalgie, je dis, bah, en fait, faut qu'on fasse ça, quoi. Faut que quand les gens regardent le jeu, se disent c'est exactement ce dont je me souviens. Oui, alors qu'en fait... Alors qu'en fait, c'était pas ça du tout. D'accord. Mais voilà. Ok, ça marche pas, trop bien. Voilà. Là, je pense qu'ils vont être beaucoup trop loin, donc tu vas devoir refaire des maisons près de tes mines. Ah oui, ok. Voilà. Et du coup, de l'eau. Tu peux les mettre un peu. Oui, bah, ouais, là, bah ouais. Oui, en fait. On chill, quoi. Voilà, alors pareil, hein, architecte, pompier. C'est le réflexe de base à avoir pour vraiment pouvoir. Et de l'eau, hein, là aussi, j'imagine. Ouais, alors les maisons peuvent rester de très bas niveau. C'est pas un souci quand t'as vraiment besoin juste de travailleurs. Ce qu'on fait après, c'est que t'as un score de prospérité pour chaque ville. Et il y a souvent l'objectif de mission et un score assez haut. Et c'est un score qui te force en fait à pas avoir trop de maisons de bas niveau et des maisons de haut niveau. Mmh. Force à avoir un certain équilibre pour éviter ce genre de choses. Mais là, oui, tu peux mettre un ou deux puits derrière et tu seras très bien. Pas besoin de la supply. Non, là ça va fonctionner. En gros, tu peux accélérer un peu le temps, les travailleurs vont arriver et les mines vont se mettre à travailler. Voilà. Allez, voilà, c'est parti. Nos nouveaux habitants, ils sont saucés. Et on entend les chasseurs, hein. On les entend bourrés comme Jaja. Voilà, okay. Et donc en fait là, tu mines de l'or, et l'idée c'est que tu vas construire un palais, et l'or va être acheminé au palais, c'est ce qui va te faire gagner de l'argent. Trésorerie. Puisque à terme, tu auras du commerce et les impôts pour les maisons les plus avancées, mais et donc, gagner de l'argent un peu compliqué. Alors c'est tout en haut, c'est dans les services. Bâtiment de prestige du coup, qui est bien là. C'est un bâtiment unique. Ouais. Alors, fun fact, c'est pas du tout à ça que ressemblait un palais en Égypte antique. Oui, j'imagine. C'est un temple, en fait, ça ressemble à un temple. Est-ce que j'ai un intérêt à le mettre près d'habitation? Non, en fait, il faut que tu le mettes près des mines parce que c'est elles qui vont amener l'or au. Ah, peut-être que je déplace mes conneries. Hein. Et alors, il y a peut-être un peu d'herbe juste au-dessus des rochers qui va te permettre de placer ton palais. Genre là? Ouais, voilà, tout juste. Incroyable. Voilà. Ah, et on voit que les routes... Voilà, les routes s'améliorent parce que le palais a un effet positif sur l'attrait. Et donc, du coup, dès qu'il aura des travailleurs, on va avoir... c'est l'inondation du Nil, effectivement. Dès qu'il aura des travailleurs, tes chartiers, la cume de l'or qui sortent de tes mines vont venir déposer l'or au palais. Mmh. Voilà, c'est parti. Ah, ça y est. Donc, voilà, une fois qu'il y a de l'argent, il y a du crime. Le nouveau vice arrive. Et on va devoir gérer ça, bien entendu, à la maréchaussée de l'époque. Donc, dans mes services, en plus, de la Firehouse et de l'architecture. Voilà, tu as la police station. Et alors, en fait, ça sert à protéger les maisons, à réduire le risque de crime des maisons. Ouais. Donc, il faut en mettre partout où tu as des maisons. D'accord. Voilà. Donc, tu en as besoin d'une ici, mais tu vas en avoir besoin à côté de ton palais également. Et en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on active tous ces systèmes de risque au fur et à mesure dans le jeu pour pas que tu prennes tout au début. Oui. Donc là, on nous explique justement. Pouvoir cliquer pour avoir moult informations. Ouais, alors il y a plein de petites icônes avec des infos. Il y a une encyclopédie dans le jeu
qui donne des infos historiques. Ok. Donc ça, c'était ce qui était déjà présent dans l'original. On l'a fait relire par une égyptologue pour voilà, être au carré sur ce qu'était la connaissance maintenant. Ouais. Et puis, il y a un guide un peu plus complet pour les gens qui ont envie de bouquiner les mécaniques un peu plus précisément. Il y a accès, d'accord, okay. Il y a accès à tout ça dans le jeu. Attends, mais du coup, ils n'ont pas accès à l'eau ? Je ne vais pas m'énerver ? Alors, il est possible que ce soit un bug aussi. Hein, très bien. Évidemment, bien sûr, voilà, on n'est pas sûr. Tout va bien se passer. Je vous donne le timer au cas où. Il nous reste à peu près 3 minutes. Ah oui ! Ça allait si vite ! Mais c'est deux missions en une demi-heure, c'est déjà très efficace. Oui, tu m'as expliqué les quelques tests à Gamescom où ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps. Bon, ensuite, tu m'as bien aiguillé. Voilà, et là, donc effectivement, on te présente les overlays. Ah oui, d'accord. C'est tout le crime, c'est les feux que tu vois en bas de... Voilà. Et crime, c'est le policier. Crime. Et donc là, en fait, on t'affiche que les bâtiments qui sont concernés. Et en gros, le bâtiment est affiché en vert, ça veut dire qu'il y a très peu de risques. Oui. Ça va se colorer vers le rouge quand il y aura plus de risques. Et donc, c'est à ce moment-là que tu peux surveiller... C'est parti pour l'arrivée des maladies. Oui, parce que malheur n'arrivant jamais seul. Il y a également... Et puis alors, voilà, il y a la maladie normale, mais il y a aussi la malaria qui arrive après. Il faut aussi protéger de la malaria. Donc, si tu cliques droit, tu cliques toujours l'interface. C'est très moderne, le clic droit. C'est very modern. C'est dans les services, et c'est au niveau de l'eau, c'est en haut. Ah, d'ailleurs, il y a un truc pour taxer. Oui, qui ne devrait pas être là. Il est arrivé en Europe. C'est à côté des points d'eau, tu as. Admis, attends. Hygiène, voilà. Physician, c'est le médecin. Voilà. Donc là, c'est pareil, ça a protégé tes maisons, donc partout où il y a des maisons, il faut un médecin. On va refaire des maisons là, si, parce que là. Ils ont accès à des services de fou, hein. C'est une petite, toute petite... C'est les mineurs, ouais, ils travaillent. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont très importants. Ils te rapportent de l'argent. Et la religion, bien entendu. Voilà, autre point important majeur aussi. Du jeu. Fâcher les dieux, c'est s'exposer à des problèmes. Messieurs, viens apporter le glas. Le son final. C'était bien. Bon. Allez, hop. Et eh ben c'était très cool. C'était très cool. Et on a fait que gratter la surface, mais c'est vraiment très très bien. Et à très haut niveau, ça serait marrant de voir une ville en ébullition et de voir. Mais justement, en fait, pour peut-être finir là-dessus en deux secondes, c'est-à-dire que là, donc on voit l'intro, on voit la découverte, on voit ce qui se passe sur les premières mécaniques du jeu. C'est là la profondeur à grande échelle vient de quoi ? Du fait que t'aies énormément justement de choses à gérer dans plein de systèmes, et puis. Ouais. Les missions sont faites de façon à ce qu'on t'enlève des choses auxquelles tu as accès d'habitude, qu'il va falloir échanger, ou le jeu a un système d'événements assez complet où en fait on passe notre temps à t'envoyer des problèmes à la figure et il va falloir les résoudre tout en construisant ta ville à côté. D'accord. Donc la profondeur vient de là, et après c'est des jeux, les joueurs de ces jeux-là, ils aiment bien le côté un peu cyclique, un peu mécanique de je sais comment construire ma ville et je vais m'adapter à un petit peu ce qu'on m'envoie pour avancer quoi. D'accord, ok, ça marche. Bah écoute, trop cool. Hein. Donc c'était Pharao. J'aime bien parce qu'il y a des gens qui disent, mais attends, on est d'accord, c'est complètement Pharao. Oui, c'est normal. Effectivement, c'est normal. Ça fait trop plaisir de le revoir ici. Ouais. Et voilà, c'est là. Bah ouais, dans un état. Petit bien privilège très, très quand cool. même, hein, disons-le. Hein, donc merci beaucoup. C'est très cool d'avoir pu le voir. Et donc là, par contre, on va faire une vraie petite pause, hein, mon cher MV. Tout à fait. Est-ce qu'on terminerait pas par le fait de. Ah, mais non, tu as y mangé déjà ? Ah non, pardon, excuse-moi. Non. Il y a Zerator dans le chat qui a coupé pour Pharao. Bah oui, c'est son type de jeu, ça. Un jeu Zilane, en fait. évidemment, parfait pour une Zilane. Très bien. Donc du coup, on le rappelle, hein, sur le chat, vous avez donc le lien de Wishlist. Encore une fois, le Wishlist très important pour soutenir tous les projets qu'on voit ici. Et on en reste là. On fait la petite pause, on se retrouve juste après. À tout de suite pour la suite de Dotemu. Et nous sommes de retour pour le dernier rush du dernier rush final. Voilà, c'est la toute fin et on a du gros pixel toujours sur le segment Dotemu, mon cher oui. Atomium. Là, je suis saucé comme Jaja. Ah ouais, on a vu un petit trailer là qui nous rappelait quelques belles heures des années 90, effectivement. Nous avons deux invités sur le plateau, un qui était prévu et un autre un peu moins. Donc, on va commencer par celui qui était prévu. Donc, Adrien Marie, bonjour à toi. Bonjour. Brain Manager. C'est ça. Pour Dotemu et le label dédié à l'indie publishing qu'on a, qui est The Arcade Crew, et qui est donc le label qui publie Moonrider. Ah bah tu vois, là, tu fais bien de préciser. Et nous avons aussi donc un invité mystère qui vient de s'incruster. L'ingé son ne savait trop où donner de la tête. Il a mis rapidement un micro.
Tu t'appelles Arnaud, tu es un invité mystère, directeur marketing pour... Totemu, SR4 Pro aussi. Bonjour à tous. Et les plus observateurs d'entre vous s'en souviendront, il y a 2 ans, je crois, et aussi l'année dernière aussi, ouais. Tu étais là pour balancer des disques très forts sur fond de bruitage qui pète. Exactement. Ouais. C'est si bien dit. Oh ben c'est ça. On va voir ensemble donc Moonrider. Le nom complet est important. Moonrider, ça va. Moonrider, ça va. Bon, mais c'est Vengeful Guardian Moonrider. Voilà. Vengeful Guardian Moonrider. Mais Moonrider, ça. Qui est un jeu de Joy Masher. Alors Joy Masher, si vous ne connaissez pas, c'est une erreur. Voilà, je le dis parce que du coup donc de très 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 bons jeux. Le premier, si je ne dis pas le petit, c'était Oniken, qui est donc une espèce de jeu façon NES et tout ça, et qui était une très bonne première approche du jeu d'action. Ensuite, on avait Odalus, qui n'est absolument pas assez connu, régulièrement sold, merveilleux. C'est de l'exploration. En fait, à la carte, l'impression de jouer à un Ghost and Goblins, Ghouls and Ghosts, mais en fait, très Metroidvania aussi dans l'âme, pixel art de ok, ouf, tu m'en parleras une autre fois, d'accord. Excusez-moi, c'est très long. Et ensuite, donc, derrière, on arrive sur donc, Blazing Chrome, que vous avez peut-être vu passer, voilà, qui est une sorte de contre-allée qu'on peut jouer en multi, qui est absolument somptueux, merveilleux, machin, et tout plein de choses. Et donc, Moonrider, qui est enfin... à l'essai, que je vais enfin pouvoir essayer, je suis impatient. Donc on va pouvoir lancer tout de suite, voilà. Bon, eh ben, écoute, parle-nous-en. On te laisse te présenter, pardon, Manon. Voilà, parle-nous un peu de ce jeu, donc, le temps comme, que comme tu disais, comme tu disais, Atto, donc là c'est le deuxième jeu qu'on publie pour, avec Joy Masher, après Blazing Chrome. Et Blazing Chrome, c'était vraiment l'hommage de Joy Masher à Contra. Et là, on est sur quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de Hagane, Ninja Gaiden et Shinobi, avec vraiment l'impression, pour nous, c'est l'impression qu'on a, en fait, c'est qu'on est face, on a l'impression de retrouver un jeu de la Mega Drive qui a été exhumé et qu'on sort tel quel. Et c'est du coup un jeu en action platformer qui se passe dans le pays de Penrai, qui est donc un monde où en fait il y a eu un coup d'État et c'est un gouvernement totalitaire qui a repris le contrôle du pays. D'accord. Et qui ont créé en fait une armée de robots pour garantir la paix. Bien entendu, rien ne se passe comme prévu. Et nous avons en fait Moonrider qui, en fait, au moment de sa création, se rend compte qu'il est créé non pas pour protéger le peuple, mais pour être un outil d'oppression. Et on est donc dans un réveil de ce Moonrider qui aura donc comme mission de se venger, de tuer ses frères d'armes et de renverser le gouvernement. Ok, c'est surprenant. Un programme alléchant. Ah, ok, c'est surprenant. C'est précis. Donc là, on a le début du tuto là, avec Atto. Alors, il y a 2 jauges en haut à gauche. C'est ça. Et donc là, on est sur la période pré-réveil. C'est le réveil qu'on voyait dans la bande-annonce au début. Donc, on a la jauge de vie qui va partir très vite. On va pouvoir le voir. Et la jauge bleue qui, pour cette démo-là, pour cette zone-là, ne se vide pas. Donc, c'est la jauge de mana. Et vous avez là la Moon Spear de Moonrider. Qu'on peut utiliser avec le bouton B, qui est très efficace, mais qui est très gourmande en énergie. Et en fait, au fur et à mesure des différents niveaux que vous allez faire, vous allez pouvoir, comme un certain jeu dont je sais pas, j'ai un trou de mémoire, quand vous allez battre des boss, vous allez aussi pouvoir récupérer les armes de ces boss-là. Et tu veux pas qu'on le dise, parce que du coup, je l'ai dit juste avant, je suis désolé. En fait, on va avoir du coup ce système où, une fois que le premier niveau va être terminé, on va avoir tous les différents niveaux du jeu qui vont être à disposition, et c'est à nous de regarder dans quel ordre on va en fait faire ces niveaux-là, quelle arme récupérer en premier. Et après, du coup, construire vraiment la version la plus mortelle du Moonrider qu'on puisse avoir. D'accord, se faire un build, en fait. C'est ça. Ça, ouais. Et à l'intérieur des différents niveaux, cachés, parfois très bien, parfois trop, mais on a en fait des puces qui sont présentes, qui permettent d'upgrader le Moonrider, et qui, en fait, on peut équiper jusqu'à 2 puces en même temps, et on va avoir des puces qui permettent d'avoir des régènes automatiques de vie, de mana, une épée avec une plus grande portée, du vampirisme, un double saut, et c'est vraiment ce qui permet en fait d'avoir un personnage vraiment sur mesure et qu'on permet de jouer vraiment avec notre style de gameplay tel qu'on a vraiment envie de le faire. Ok. Alors sur le chat, on posait la question, est-ce que c'était vraiment pixel perfect ? Mais Blazing Chrome, enfin Joy Masher, pardon, sont effectivement connus pour leur qualité de pixel art, vraiment très perfect, vraiment avec un grand respect
Alors. Des palettes de couleurs, de la Mega Drive, des résolutions. Donc ouais, c'est plutôt pixel perfect. Je pense que tu as pris la face parce qu'en fait, c'est un running gag de mon chat parce que je hurle dès qu'il y a du pixel art. En fait, tu peux faire des demi-pixels quand tu te déplaces. Et ah oui. Coup, voilà, tout voilà. En tout cas, ouais, je réponds d'ailleurs sérieuse. Ouais, mais n'empêche que ta réponse, je la trouve très bien. Elle était merveilleuse, mais oui, effectivement. Parce que, ouais. Je me bats contre les trolls avec toi, tu vois. Non, mais non, ah ouais. T'inquiète, c'était parfait. Et puis du coup, ouais, le truc qui est aussi propre au studio, hein, on peut le dire, balançons des cœurs dans tous les sens. C'est le, comment dire, un peu comme Yacht Club Game en fait, cette façon de réussir à prendre des choses qui existent déjà, les mélanger et apporter du nouveau et en fait en faire quelque chose auquel on n'a pas déjà joué. Et beaucoup de gens se posent la question, tout à l'heure sur le chat on a eu l'exemple de « Mais pourquoi jouer aujourd'hui à un jeu de pixel art comme ça, machin, mais putain, mais sans ta Mega Drive ?» Mais non, mais vous avez fait tous les jeux de la Mega Drive, vous faites quoi maintenant? Bah vous avez plus de jeux pour vous, et donc vous êtes bien content que les indics s'en occupent pour en faire des nouveaux avec de nouvelles idées. Et surtout des astuces en fait que l'on ne pouvait pas faire à l'époque, que l'on ne faisait pas, ouais, et qui servent aujourd'hui, et bien, notamment du confort de jeu, notamment des idées de mise en scène, des choses qui en fait juste bah voilà sont malgré tout inédites en fait. C'est ça, et c'est vraiment le côté où il y a eu de la part du studio une digestion de tout un genre et toute une époque de jeu. Ouais. Et en fait on reprend vraiment l'essence de ce qui faisait le. Ouais. Bah, le mieux de ce genre-là, c'est exactement comme ce qui avait été fait avec Basil. Vous reprenez les codes sans forcément faire de la copie. C'est et, ça. Et voilà, plutôt faire une sorte de compilation de tout ce qui est bien qui a été fait. C'est ça, et c'est un côté où on va chercher vraiment bah, l'authenticité, ce qui est normal, ouais. Mais en même temps, être dans quelque chose de rétro, mais d'arriver à comprendre vraiment l'essence de ce que c'est, et pas forcément d'être dans le gimmick du rétro, ce qui est quelque chose qu'on voit dans d'autres jeux. Et là, c'est ça qui est vraiment très saisissant et on peut. Je sais que nous, par exemple, on a dans le jeu, il y a des fantastiques filtres CTR pour allonger. J'étais sur le point de lui en parler. Et c'est vrai que en fait, nous, quand on a lancé l'effet, c'est l'effet cathodique, c'est ça. Et cet effet-là, quand on avait lancé les démos, justement, on parlait tout à l'heure du jeu qu'on a présenté, on l'a annoncé juste avant la Gamescom et on l'a présenté justement à la presse à la Gamescom. Et on avait hésité, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met le filtre cathodique? Est-ce qu'on le met pas? Et en fait, ça rajoute un charme tellement fort. Moi, je trouve ça, j'ai fait la démo avec le filtre entièrement. Parce que, tout simplement, moi, beaucoup de gens, mon écran de PC est assez proche de mon visage. Et le fait de voir les scanlines qui lissent les pixels et qui fait que l'on voit le fameux pixel art que l'on interprète mal en 2022, parce qu'on se dit, pixel art, c'est forcément les gros carrés et tout. Ouais. Oui, mais parce qu'on oublie qu'à l'époque, c'était justement la scanline des écrans cathodiques qui permettait d'avoir une forme qui était beaucoup plus polish. En fait. Ouais, exactement. Ce qui est dithering et tout ça, les pixels qui débordaient les uns sur les autres. Ouais, bien sûr. Et qui fait que, du coup, t'as l'impression de devoir un dégradé, ce qui marchait très bien sur Donkey Kong, par exemple. On a cité un milliard de jeux, je suis désolé. C'est normal. Il y a un compte Twitter qui montre ça très bien, où justement, je me souviens plus du nom, mais il prend en comparaison un jeu sur émulateur et il prend une photo de son CRT et c'est. Ouais. La différence est extraordinaire. Ah, il me semble d'ailleurs que c'est un des contenus préférés de Benzaï. Hein, qu'on voit on salue. Le Digital Benzaï, voilà, qui est là, qui ne jure que par la 4K, mais qui ne joue qu'à des jeux en pixel art. Alors, en tout cas, c'est les seuls dont il dit du bien. Alors, on va encore avancer tranquillement. Et je vais peut-être remettre ça pour juste le côté très éclairé. Ouais, c'est vrai que c'est moins éclairé. J'alternerai, voilà, comme ça c'est fait. En vrai, les deux sont sympas. Mais c'est vrai que. Ouais. Un truc qui est très très drôle par contre, si je peux me permettre une comparaison pour citer encore un autre jeu, mais je trouve ça très marrant l'idée que tu aies l'impression de voir à gagner mais de jouer à un Mega Man Zero. Et très très drôle parce que du coup ça marche ultra bien et donc ouais non très très cool. Alors, mais bon on va voir si c'est difficile. On notera que t'es toujours vivant. Ouais, on m'a promis que j'allais galérer de ouf, alors je veux voir. Tu vas doucement. Donc tu nous as parlé du système de build. Est-ce qu'on a aussi un système de New Game Plus, peut-être, avec des choses à unlock? Non. Pas trop. C'est vraiment à l'ancienne. C'est ça. Voilà, on finit, on reprend tout, et puis voilà. On le verra tout à l'heure. C'est en fait, également, comme Blazing Chrome, c'est que le jeu est vraiment taillé pour le speedrun. Ouais. Et en fait, on va voir quand on va terminer ce niveau-là. Le jeu, en fait, va expliquer comment... ouais, c'est trop beau. Et en fait, le jeu va expliquer, donner un score. Et c'est vrai que nous-mêmes, en interne, en fait, même quand on a récupéré et quand on a cette première version de la démo, bah, instinctivement, il y a un concours de speedrun qui se lance en interne, quoi. Obligé de voir. Et ce qui est extrêmement bien fait aussi, c'est que le speedrun, en tout cas le système de rang à l'intérieur du jeu, ne fonctionne pas forcément. Ça ne sert pas à grand-chose, en fait, de foncer tête baissée et d'esquiver tous les ennemis. D'accord. Le système de rang est également basé en fonction du nombre d'ennemis abattus, parce que vraiment,
pour nous, la manière de le faire, de faire le niveau de manière parfaite, c'est certes d'aller extrêmement vite, mais c'est d'abattre l'intégralité des ennemis présents dans le niveau. Alors, il n'y a pas de score, par contre. Chose qu'on voyait des fois dans les jeux à l'époque. Il y, a un scoring à la fin. Il y a quand même un scoring. Ouais, qui n'est pas juste affiché. D'accord, c'est d'accord. Ça. Ok. Je maintiens mon appui sur la ref hein, au niveau du lancement des combats. Non, mais c'est trop cool parce qu'en fait, tu as l'impression de voir le jeu qui parle absolument à toute ta nostalgie, mais qui le fait de manière tellement élégante et nouvelle en fait. Donc, c'est trop bien. Non, mais j'ai déjà conquis avant de lancer. Effectivement, le chat parle de Giger. Ouais, c'est une des références de Danilo donc, qui lui fait le design du jeu. C'est une de ses références. Il avait vraiment envie d'avoir ce design mécanique humain assez malsain parce qu'il y a une grande aspiration aussi jeu d'horreur. Il avait un désir d'apporter un peu. Un peu ce délire-là au titre. Est-ce que je tape dans le vent? Oui. Ouais. C'est pas ce qui me semblait. Ouais, parce que en fait, il y a sa bouche au moment où le rayon se lance. Et, voilà. Et après, il y a également des dégâts qu'on peut faire au niveau des mains. Ouais, mais quand il loue. Mais uniquement quand elles sont ouvertes ou à ce moment-là. D'accord, ok, ça marche. Merci beaucoup, désolé. Je me disais, c'est bizarre. Bon, ça va, le pattern, il est acquis, pas de problème. Ah oui, on a la barre de vie du boss à droite, en fait. Ouais. J'ai même pas mal. Un Mintos qui parle de Hagané. Oui, exactement. C'est marrant ce que tu racontais sur le délire speedrun en interne. Oui. Notamment ce que vous aviez fait à la Gamescom, entre deux rendez-vous. Et ce qui est drôle, c'est que quand on avait présenté Joy Masher aussi la première fois, Blazing Chrome, pardon, la première fois en salon, on avait eu le même réflexe de, entre les rendez-vous en interne, de juste de faire la démo aussi et d'essayer de voir qui pouvait le faire le plus rapidement. Ah. Donc c'est très drôle ce pattern qui se répète. Alors, cette démo, justement, on peut la. Tu vois pas non plus. Tu es quand même en train de pleurer à toi. Mais reste plus 5 minutes, on s'en va en soi. Voilà. Mais donc, du coup, le jeu, vous nous l'envoyez quand? Non, mais continue, pardon, excusez-moi. Mais vous pleurez à toi. Ah là là, t'es. Oh là là, t'es jamais là. Cru. Ah, le. Oh. Bon, du coup, cette démo, elle est testable? Bientôt. Pas testable pour l'instant? Ouais. Bientôt testable? Bientôt testable. On va pouvoir. On annoncera bientôt une disponibilité de la démo. Ok. Absolument. Ah mince! Putain, j'ai confondu les deux vaisseaux. Pardon, excusez-moi, mon regard se floute avec l'appétit qui grandit. Déjà une date de sortie éventuelle espérée. La date de sortie, on a annoncé la fenêtre de sortie, ça sortira à la fin d'année. D'accord. Ah, on perd l'année, mais on perd très bientôt en fait. C'est ça. Ah, ok. Je serai là. Est-ce qu'on peut compter sur Dotemu pour une édition physique pas piquée des hannetons? Pourquoi tiens, pas, tiens, oui, ce serait quelque chose d'intéressant. On aime bien faire les éditions physiques. Ok. Ah, si tu veux, regarde, si tu descends à gauche, reste, voilà, ne bouge pas, descends à droite, tombe dans le vide, hop. Ah, tu as une puce. Ah, ça que tu espérais que je montre. Tu l'avais pas. C'est ça. Et donc, tu peux l'équiper et c'est ce qui va t'équiper d'un double saut. D'accord, très bien. Ah, en plus, on a carte mémoire et tout, voilà, la référence absolue. Ah, d'accord, oui, d'où l'intérêt de faire ça. Non, mais c'est bien, je reconnais. Il y a certains niveaux, le double saut, c'est quand même plutôt confortable. Oui, j'imagine. Allez, on peut rusher. Attention. Est-ce qu'on tente un speedrun? C'est quoi ce shredder? Ah, on peut y aller. Hein. Tu as grandi, lui? Rien, c'est chaud. Je suis pas assez deep pour faire le fou. Oui, là. Quoi qu'on a un point de contrôle bientôt, donc. Allez, on attend. Ah. J'ai pas assez utilisé la possibilité de faire le petit dash. Oh, le petit lancement, là. Donc, ça sera dispo sur quel support? Est-ce qu'on... Ça sortira sur PC, PS4, PS5 et Switch. OK. Et Luna. Et Amazon Luna, absolument. Voilà. Et Luna. Amazon Luna. N'oublions pas ça, Luna. Ça. On oublie. Ah, voilà autre chose. Donc, Steam Deck aussi, je suppose. Ah oui. Bon, oui. Oui, je pense. Avec, oui. On a déjà testé, oui. Ah, j'ai la chance d'en avoir un. Hein. Alors, je crois que la régie va pas tarder à me dire que c'est fini, mais je suis pas sûr de les entendre, donc non, je pense pas. Je suis pas sûr. C'est le dernier ennemi. Ah, on me dit 5 minutes, parfait. Deux ? Ah, deux, c'est joué. 5 minutes. Pas de hitbox, hein, du coup, on me dit. Non. C'est ça. Non, mais bonne méthode. On a perdu la moitié de la barre de vie, mais c'est passé. Ouais, bah je bourre. Attention, hop, on y va. Non, parce que je sais que, voilà, en tant qu'effort, on va te montrer le maximum de choses, évidemment, pour. Non. Ah, mais qu'est-ce que... Voilà. Humiliation. C'est parfait. Non, mais c'est trop bien. Franchement, du coup, GG au team, hein, je pense que je pourrais leur dire. Vraiment. Absolument approuvé par ici. Et là, on termine sur le moment. Et là, c'est le moment de couper l'écran. Si pour le teasing absolu, sauf si vous voulez montrer. C'est ça. Ah non. Ah non, je le fais. C'est ça. Oh, je le savais.
évidemment, c'est ça. Oh, terrible, ah, ouais, terrible, terrible. Bah écoutez, je. On wishlistez-moi tout ça, hein, bien sûr. Un petit rang S en plus. Un petit rang S, on aurait pu le voir. C'est ça. Coup, c'est vrai qu'il y a eu un petit rang S, ouais, effectivement. On n'a pas la preuve, du coup. Hein, ah, bah s'il n'y a pas la preuve, il y a eu. Il faudra le reprouver, c'est pas très bon. En tout cas, bravo et merci, c'était trop bien. Un petit mot de la fin, peut-être qu'on peut vous laisser, même si on a à peu près tout dit. On a à peu près fait le tour, mais comme vous avez dit. Wishlist, c'est très important. Voilà. Le lien a popé dans le chat plusieurs fois. Donc. On travaille au marketing, on est obligé de répéter au moins une fois toutes les 15 minutes qu'il faut wishlister, sinon après, on commence à avoir des tremblements et tout, c'est normal. Je comprends, c'est normal, c'est important, nous aussi on le fait. Et donc on va passer au prochain jeu de ce segment, on va avoir un petit bout de trailer à vous montrer, on se récupère juste après tout ça. C'est parti. Tu fais très bien le trombone aussi, je sais pas si. Non, mais ces musiques-là, ça te hype forcément. Mais bien sûr. Bon, mais c'est le running gag. Ben oui, mais il est là. C'est le running gag de. C'est même pas du tout un gag, c'est le jeu conducteur, voilà, de Games Made in France. C'est vrai. Windjammers 2. Donc, on avait eu la preview au premier Made in France. Il était à peine sorti, je crois. Non, justement, dernière. C'était le running gag aussi. C'était que. Enfin, il sort quand, Windjammers 2 On ne pouvait rien dire. C'était terrible. Et on ne savait pas d'ailleurs. Et actuellement encore, j'attends le collector que j'ai préco. Ah, d'accord. Okay. Voilà, je l'ai préco, mais je ne l'ai pas encore reçu. on terminait le travail dessus avec Pixel Love. Ah, bon, bah, parfait. Ah, voilà. Chez Pixel Love, voilà, pour ne pas les citer. Comme ça, c'est mais maintenant, il est sorti. Bon, et ben voilà. Enfin, ça fait un an, mais il est sorti. Exactement. On va montrer l'image à l'écran, évidemment. Donc, Windjammers 2, pour les gens qui ne connaissent pas, on rappelle, c'est ce Pong ultime. Jeu de frisbee au demeurant, jeu dans lequel eh bien, on peut se friter allègrement. Jeu de versus disponible sur à peu près toutes les plateformes. Je m'attendais à ce que tu dises tout, ouais. C'est ça, mais oui, on est dispo partout. C'est ça, Xbox, il semble y avoir joué Xbox, sur un Nintendo. Absolument, c'est ça. Non, oui, vraiment, oui, il est absolument partout. Et donc, jeu qui est le jeu de canapé ultime, qu'on va pouvoir montrer en deux secondes. Est-ce que tu... Ouais... Allez, parce que du coup, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué. Alors, mais moi aussi, j'y ai pas joué depuis, je sais pas, hier. Donc ça va. Mais attends, comment je fais pour jouer Ah, pardon, t'as sélectionné un personnage. Toi. Ah, j'ai pas fait. Ah. Attends, juste rappelons, donc on peut jouer en ligne, évidemment, si on veut jouer avec les gens qu'on a autour de nous ou qu'on n'a pas autour de nous. Et puis donc, du coup, mode arcade également, traditionnel, et donc le versus local, qui est celui que l'on va faire ici. Avec différentes règles, et j'ai appuyé sur B, pardon. Je fais un suspense. C'est l'habitude de la manette okay, Switch. Ok, alors, c'est quoi les speed power qu'est-ce que quoi alors, est-ce que tu as joué au premier Windjammer? Oui, bien sûr. C'est le même principe. J'ai même fait le créneau avec toi. C'est vrai, il y a deux ans. Ouais. Bon, c'est vrai, c'est à l'époque, j'étais jeune, c'est sûr, mais... alors, qui je prends? Sophie Delis ou pas? Sophie Delis, c'est Sophie. La France. Allez, la France. C'est Game Made in France. La France, voilà. Les baguettes. Ouais. Jeu français hein, aussi, ouais. Hein, du là, coup, développé en interne chez DotEmu. C'est vrai, oui. Tu peux rappeler un peu l'histoire, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est oublié ça. Ah non, fallait être sûr. Voilà, la base, la classique. C'est pas moi. Windjammers, le premier, un grand classique de la Neo Geo. Fait par Data East en 94, du coup qui était sorti, qu'on avait aussi nous-mêmes chez Dotemu ressorti quelques années maintenant sur une nouvelle plateforme en rajoutant en mode online. Mais l'idée c'était pour nous vraiment aussi de faire une suite que vous avez ici en face de vous. Okay, et l'idée c'est vraiment de le gameplay de Windjammers c'est tellement unique et tellement iconique que pour nous c'était vraiment indispensable de retrouver ce gameplay dans la suite, vraiment, et l'équipe a fait un travail phénoménal en dessus, à rétro-engineer le premier, vraiment, à regarder le code entièrement pour vraiment reproduire entièrement le gameplay, et derrière, de rajouter par-dessus vraiment des nouvelles mécaniques. Et vous avez fait ça, enfin, ça a été fait avec le soutien de l'équipe japonaise on a retrouvé effectivement les créateurs d'origine, donc Data East, Data East malheureusement n'existe plus. Mais vraiment, on a eu leur soutien dès le début. Ils sont super sympas, vraiment pour tout ce qu'on fait. Ils étaient vraiment à fond. Et à chaque fois qu'on leur envoyait un truc, ils étaient toujours à fond. Et c'était vraiment, vraiment super cool de pouvoir avoir leur soutien. Et d'ailleurs, on est allé, si vous allez sur YouTube et vous cherchez le documentaire Windjammers 2, fait par Alex Pilote. Alexandre Pilote, bien sûr. Donc on est allé, effectivement, Alex est allé interviewer l'équipe aussi d'origine à Tokyo, faire une petite interview. C'était vraiment, vraiment super cool. Donc, et donc voilà, Windjammers 2. Eh bah trop bien. Pour les gens qui ne l'ont pas côté gameplay, donc on avait vu le 1 effectivement. Ah mais on peut dasher. Ouais, voilà. Il y a donc évidemment la possibilité de s'envoyer un frisbee, donc ça c'est la base du jeu, la base du pong, mais après donc il y a tout un aspect qui va être de l'ordre du timing déjà. C'est-à-dire que si on appuie sur la touche de réception au moment où la balle, où le frisbee arrive sur nous,
On peut l'envoyer dans les airs, ce qui permet derrière de faire une attaque spéciale. Ça, encore une fois, c'est le gameplay de base. Et après, donc, parmi les nouveautés, il y a tout ce qui concerne le fait de pouvoir aller en hauteur et donc de faire des plongeons. Parmi d'autres choses, il y avait quoi d'autre aussi de nouveau? Il y a la super aussi qui fait beaucoup de dégâts, qui sert en défense également pour récupérer un frisbee inatteignable. C'est ça, on a le slap shot, le drop shot. Ah oui, vraiment, la possibilité de claquer directement. Je me prends une raclée, du coup, je donne la manette à quelqu'un. Forcément. C'est de la triche. Quelqu'un au hasard, bien c'est sûr, qui est à ma droite. Je vais jouer. Je vais la prendre. Ok, donc je suis à gauche. Okay, là, on va jouer pour de vrai, mais ça fait un petit moment, effectivement. Donc pareillement, mais. Ça s'est bien passé, le premier Windjammers, plutôt sur le GMF. Ouais, mais c'est que là, j'ai plus les réflexes de plongeon, machin, ah, et oui. Ils font alors, la différence. Il y a un certain Dedei52 dans le chat qui dit: mais alors, la présence du jeu ici annoncerait-elle des nouveautés? Alors, on continue à travailler sur le projet. On n'est pas encore à un stade où on peut annoncer concrètement. Sur quoi on travaille, mais on continue en tout cas nous à travailler sur Windjammers 2 okay. Avec la volonté vraiment de continuer à apporter du contenu sur le jeu. Ok, super. Ouais. Attention. On annoncera avec plaisir tout ce qu'on a à annoncer quand on sera en capacité de le faire. When it's done. Laissez le Made in France faire son travail, dès qu'on aura de plus en plus d'informations. C'est Dotemu, maintenant vous êtes habitués. Hein. Dotemu, c'est when it's done, hein, toujours. Il y a des trucs on le dit, quand il n'y a pas de trucs on le dit pas. Enfin, voilà. C'est toujours un plaisir pour quelques games de revenir. Ah, là. Ah mais c'est oh personne a trop joué au jeu là, je... C'est bon. Je suis en face d'un mur. Non, c'est très balèze. Oh, gentil. Ouais, voilà, mais là c'est moins gentil. Bah, tu peux dire qu'il y a du lag sur la télé. Il y a la lumière, il y a le reflet non, sur l'écran. Si je peux me permettre, il y a 4 jours de taf. Mais c'est ça surtout. Aussi, voilà. Oui, il y aurait pas eu des apéros qui vont avec, ça serait. Mais arrêtez de bloquer sur les apéros, j'ai plus de l'eau. Mais j'ai jamais dit que t'avais pas bu de l'eau, pourquoi tu bloques là-dessus? T'as une furie là. Eh oui, ah, attends. Voilà. Allez, oh, le con. J'ai même une euro. Non, oh, c'est la bon, vache. Excuse-moi, je m'en vais. Insane. Alors on me dit qu'il reste une minute, c'est l'occasion de faire. Ah qui est beau aussi là. C'est beau. Alors c'est con. Ah. Ah non, ça c'est méchant. Oh non, ça c'est tellement méchant. La petite, voilà, c'est ça. Donc une nouveauté, une petite le drop comme shot. Ça, qui permet effectivement de faire assez mal. Et là, ça c'est pas gentil du tout non plus. Terrible. Les derniers points, c'est bon. Celui qui gagne, ça gagne tout. On est prêt. Tac, 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 tac. Ah. C'est bon. Lâche la manette. Non, c'est pas grave, on fera une pause plus courte. Allez hop, c'est parti. Tac, c'est bon, ok, ensuite là, on arrive, bim. Là, la super qui passe pas, mais c'est pas grave, bim. 9-9, et là, c'est le drame. Il reste 30 secondes sur le timer là. Oh, ah, je me laisse gagner, ah, hein. Ça c'est ah, les gens du marketing. Ah, ça m'a fait peur. Ah, c'est ouf, incroyable. Okay. T'as jamais vu un mec qui a joué aussi bien que toi à Windjammers. Je vais me faire ce jeu. Tue-moi là, allez hop. Ah mince! Attention, attention! Ok, ok. Ah, y a des strats, y a des strats! Ouais, les petites pauses, les petits machins. La World Cup. Oh là là! Ah, facile. Bon ben voilà! Non, j'ai bien joué. C'était le Windjammer annuel. Exactement, voilà. C'était. Et. Bon, ouais, voilà. On verra. Bon, en espérant que l'année prochaine. Gageons que. J'espère que j'aurai mon collector avec le frisbee. Ah, tu l'amèneras. Absolument. Ah, bah oui, je l'amènerai. Et ben voilà. Et du coup, on va demander à Gozulting qui nous aménage un terrain. Directement, ça, absolument. Ça sera l'OPSP officiel du jeu, d'ailleurs. Ça sera un vrai. Le WeRL Jammers. On fera ça. Ah, j'ai pas entendu la régie, mais je sens que c'était très drôle. Ah! Ah, Fred a sorti l'appel, me dit-on. Ah, ça y est, bon, bah, très bien, très bien. Eh bien, écoutez. Merci nous... beaucoup. Ouais, merci voilà, nous allons pouvoir continuer. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'était très cool ce petit créneau. On a vu les choses très bien. On rappelle que tout ça est disponible sur le site de Made in France, encore une fois, avec tous les liens qui sont sur le chat, encore une fois, avec des wishlists dans tous les sens, encore une fois. Et on fait la transition, encore une fois, mais peut-être une ultime fois. Donc, pas tout à fait. Pour deux jeux. Il reste encore deux jeux, exactement. On fait la pause, on revient juste après. À tout de suite.